Cela fait maintenant quelques mois que vous priez Marie. Vous avez des réponses, mais pas vraiment. Vous avez des signes, mais pas suffisamment. Évidemment, vous avez des problèmes. Et il faut être clair, vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas si vous devez prier encore plus, ou si vous voulez aller encore plus loin, ou si vous estimez que ce que vous avez déjà fait, c'est déjà pas mal. Vous voulez plus de signes, plus de grâce, car vous avez beaucoup donné. Il faut savoir que les grâces du ciel ne sont pas une récompense. Oui, le ciel ne fonctionne pas comme un travail, c'est-à-dire vous travaillez aux œuvres du ciel et on vous récompense. Eh bien non, les grâces sont des cadeaux d'amour. On vous donne car on vous aime et non pas parce que vous l'avez mérité. Un petit conseil, si vous voulez faire une sorte de bilan avec Marie, vous pouvez lui écrire une lettre. Marie aime beaucoup les lettres, car quand on écrit, on réfléchit beaucoup plus que quand on parle ou quand on prie. Ne montrez à personne cette lettre, glissez-la derrière une photo de Marie et dans un mois, détruisez la lettre. Marie adore ça. De la nourriture venue du ciel. La statue de la région de Curitiba, au Brésil, représentant la Sainte Vierge Marie, est miraculeuse. En effet, depuis le 31 juillet 2018, elle produit un liquide que les pèlerins mangent. Ce liquide ressemble à du miel et de l'huile. Les propriétaires distribuent ce liquide dans des petites boîtes à toutes les personnes qui viennent. La vidéo est finie, alors vous pouvez voir plus de vidéos sur la gauche ou alors voir les dernières vidéos sur la droite. Si cela vous a intéressé, vous avez la possibilité de vous abonner en suivant la flèche rouge.